Le Fringe, pour moi, c'est... Oh my God! Le Fringe, pour moi, c'est un espace de liberté totale. Like it or not, it's the beer tent. C'est un grand melting pot. C'est un grand carnaval artistique. Fringe is a wonderful moment of liberation. You can explore, you can try, you can fail, you can be challenged, and it's all okay. C'est le cœur de Montréal. C'est le cœur. The Fringe, c'est le cœur. An adventure, excitement, in the end, exhaustion. Un espace de potentialité. Festif, c'est excessif, c'est too much, c'est vraiment un gros party. La diversité, la créativité, l'audace, la jeunesse et le party! Le Fringe, c'est un festival essentiel. Bon, le top. Bonsoir tout le monde! Bonjour, bonsoir. Mon nom, c'est Amy Blackmore. Je suis la directrice générale et artistique du Théâtre Mainline et le Festival Sainte-Ambroise Fringe de Montréal. Je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui pour notre petit 5 à 7. On va parler d'un sujet super important, surtout ce temps-ci. Mais avant qu'on va parler avec le monde qu'on a invité ce soir, je veux juste tout de suite remercier du monde. Parce que souvent, on fait les remerciements à la fin, mais vraiment, cette année, je veux toujours les faire au début. Fait que, we're doing it now. Premièrement, un grand remerciement à Steph McKenna, qui est notre Virtual Stage Manager. Aussi à toute notre équipe du Fringe. Kenny, Sarah, Rebecca, Sehar, Kat, Corey, Brianna, Mathias, Aurora, tous nos techniciens de salle qui viennent de commencer hier et tout le monde qui vont débuter avec nous jeudi quand on va accueillir du monde en salle, en personne, au Fringe, pour la première fois depuis 2019. Wow. Anyway, ça fait longtemps. J'ai vraiment hâte. On a d'autres mondes aussi à remercier. Premièrement, The Quebec Drama Federation, qui sont notre commanditaire pour la série Transformation. Fait que merci beaucoup, QDF. Un grand remerciement au Patrimoine canadien, Conseil des arts et lettres du Québec, Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal, Saint-Ambroise, Arts Unite, Élan, les Fringes de Toronto et d'Edmonton, The Cole Foundation, The Kitchener-Waterloo Community Foundation, il y a beaucoup de monde. Et finalement, The Quebec Secretariat for Anglophone Relations. Je pense que je peux dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont travaillé super fort cette année pour amener le Fringe en vie. Et je veux juste dire un grand remerciement à tous nos artistes du festival. J'ai vraiment hâte que le monde va voir tous vos shows. Et un grand remerciement aussi à les amis du Fringe. Bon, voilà. So many people, je pense que c'est temps de commencer la conversation. On ne va pas imaginer qu'on n'est pas sur StreamYard. On est là. Stéphanie, est-ce que tu peux commencer à ajouter le monde sur l'écran? Kathleen! Yay! Stéphanie! Et Kakiem! Bon, bienvenue! Bienvenue à vous trois. On va parler d'un sujet super pertinent en ce moment, je crois. C'est toujours pertinent, mais je le sens vraiment dans mon cœur. C'est la conciliation, j'ai vraiment la misère avec ce mot,
en tout temps. Travail, vie. Voilà, on est là. Mais je pense, avant qu'on va commencer à aller plus profond dedans, j'aimerais des introductions. Alors, est-ce qu'on peut peut-être juste prendre un moment de t'introduire à la communauté Fringe qui nous écoute? Kathleen? Oui, bonjour tout le monde. Salut Amy, salut Stéphanie, salut Kakim. Moi je suis artiste, je fais principalement des spectacles de théâtre. J'ai fait une série de 4 spectacles de suite de clowns. Un clown que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Boca, dont je m'ennuie énormément. Il y aura peut-être d'autres spectacles de Boca. C'est ça, en fait, j'ai exploré différentes choses au Fringe. C'est d'ailleurs ce qui est vraiment le fun au Fringe. On peut explorer et essayer des nouvelles formes. J'étais supposée faire un spectacle au Fringe 2020. Après ça, c'était reporté à 21. Et finalement, c'est bon, on pourra en parler, là, la conciliation travail-vie. Ça n'a pas été évident, donc ça sera en 2022. Parfait, merci. Et pour le monde qui ne connaisse pas Boca, Boca était dans le petit vidéoclip pour le balado du Fringe Buzz. Fait que c'était cool de voir un petit moment que je me souviens de vraiment. C'était au Café Campus durant le Fringe for All, la photo, hein? C'était-tu ça? Oui, exactement. Oui, exactement, le Fringe for All. Exactement. Beaucoup de mémoire cette année pour le 30e. Merci. Mm-hmm. Stéphanie? Oui, bonjour tout le monde. Chers amis ici, puis ceux qui écoutent, les femmes qui écoutent. Donc je travaille principalement en danse. Je suis chorégraphe, interprète, directrice de répétition, enseignante, coach de mouvement avec n'importe qui aussi. Et j'essayais moi aussi juste d'aller direct dans le Fringe. J'essayais de trouver des affiches virtuelles que j'avais comme sur un autre ordinateur. Je vais continuer de fouiller, mais comme mon premier Fringe était en 2004 et j'ai envie de retrouver le baby face que j'avais sur cette affiche française, des posters partout. Mon dernier Fringe était en 2018, mais je Fringe à fond tout le temps. J'ai hâte de retourner en salle. Je suis super excitée que ça reprend, mais que j'étais autant heureuse d'être panéliste l'année dernière aussi virtuellement. C'est cool de se rencontrer comme ça aussi. Alors, hâte à la discussion. Excellent. Merci beaucoup, Stéphanie. Et Stéphanie est sur notre conseil d'administration. Oui. Aussi. Juste pour dire. Je suis là, merci. Kakim. Oui, bonjour tout le monde. Amy, Kathleen et Stéphanie. Je m'appelle aux auditeurs. Je m'appelle Kakim Go. Moi, je porte plusieurs chapeaux. Une partie de ma vie pour gagner la vie, je travaille surtout dans le monde d'éducation. Et aussi pour des organismes gouvernementaux. Dans ce côté, j'ai aussi travaillé dans l'industrie, le secteur pharmaceutique pendant plusieurs années. Donc ça, c'est une partie de ma vie. L'autre partie, je suis un artiste visuel, commissaire et travailleur culturel. Et donc, moi, j'œuvre depuis longtemps dans les milieux communautaires pour promouvoir l'inclusion dans les secteurs de l'éducation, des arts et culture. Et donc, j'ai fait partie de plusieurs conseils d'administration et comités pour des organismes comme ELAN, English Language Arts Network, MAI, Montréal Latin Culturel, le Festival Accès Asie, et aussi je siège sur le comité d'évaluation de Conseil des arts de Montréal, NPA pluridisciplinaire, sur laquelle Amy aussi elle a servi comme membre. Donc, et dernièrement, comme commissaire, je viens de terminer un projet qui s'appelle le projet Habilité, qui était présenté par le Festival Accès Asie. C'était un projet en pratique inclusive et nous avons fourni de la formation adaptée et de développement professionnel à un artiste qui vit avec une situation d'handicap, Zélia Caviani. Donc, je travaille dans plusieurs milieux en même temps. Donc, c'est ça. Avec moi, vous aurez plusieurs chapeaux. C'est bien. Merci beaucoup, Kakim.
Et je veux juste saluer le monde qui nous écoute dans le futur, parce qu'il y a du monde dans le futur qui nous écoute sur Fringe TV, sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook. Voilà. Bonjour au futur, si vous êtes là. Je vais juste aussi partager que si tu écoutes en ce moment et tu veux partager, tu peux. Par exemple, ici, on a un petit message de Kenny. On y va! J'ai tellement hâte! Oh, Kenny! C'est gentil. Oh, et Sarah ici, Sarah nous dit... Nous aussi, on s'ennuie de Boca. C'est vrai, on s'ennuie de Boca. Hâte au futur. Bon, peut-être juste pour commencer, c'est une question que j'ai proposée à presque chaque conversation qu'on a eue cette année avec la série. C'est que comment ça va une année après? Parce que vous trois étiez sur le panel l'année passée, qui était cool, et je suis très honorée que vous étiez disponible et capable de revenir. Et, you know, comment ça va? Ça fait un an, peut-être, si on peut juste parler un peu de nos parcours durant l'année. Est-ce que tu as travaillé beaucoup plus, beaucoup moins? C'est quoi les choix de vie qui sont déroulés un peu? Un place pour commencer. Ben, je vais me lancer. Moi, c'est assez au ralenti, en fait. Puis, on dirait que j'ai comme un peu coulé sur cette énergie-là en me disant que quand ça reviendra, ça reviendra. En fait, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aime faire en art, j'aime le théâtre, puis j'en suis comme venue à la conclusion que j'avais pas le goût de faire du théâtre pour le faire en virtuel. Moi, il y a vraiment quelque chose au niveau du contact, puis surtout les spectacles, mettons, comme Boca, qui demandent vraiment une réaction du public. Moi, il y a vraiment comme un non-intérêt, en fait, puis je parle vraiment que pour moi, là, au niveau de faire ça en virtuel. Fait qu'on dirait que l'année, je me suis comme mis un peu en pause, puis je me suis dit, quand on pourra en refaire, ça reviendra. Ça a continué à bouillonner, là, j'ai encore plein de projets qui sont là, puis qui continuent de m'arriver, puis de popper dans ma tête, mais... on dirait que j'ai pas été pressée de faire comme, OK, il faut que j'en fasse à tout prix. On dirait que moi, ça m'a juste un peu, ça m'a mis comme en dormance un peu. Puis là, le Fringe reprend, puis j'en fais pas partie, puis j'étais très zen avec ma décision, mais là, on dirait que le fait qu'on en entend parler, ça me travaille, puis là, je pense que je suis en train de me réveiller, puis ça, c'est ça, là, ça buzz en dedans, là, pour utiliser un terme fringe. Hashtag. J'aime ça vraiment. Oui, il y a comme un peu un waking up, le monde se réveille un peu. J'écoute et j'entends, il y a beaucoup de monde qui ont pris des pauses, beaucoup qui ont travaillé beaucoup plus. Il y a un grand mélange. Pour toi, Stéphanie, est-ce que tu as trouvé que c'était une grande entracte? Est-ce que tu as pris une pause? J'ai pas décidé de prendre une pause. Et en pensant en rétrospection, je pense pas que j'en ai eu non plus. J'ai été arrêtée, mais j'ai envie de dire que... travailler plus, travailler moins, j'ai travaillé différemment. Tout à coup, je suis quelqu'un qui a toujours eu plein de petits temps partiels qui ont fait un temps plein et plus, des fois. Les choses ont shifté avec ce qui a fermé. Je travaille dans les secteurs de danse et de yoga. Les deux étaient frappés hyper fort, différemment. Ils étaient frappés fort, point. Puis là, ça reprend différemment, disons. Donc, les choses ont shifté. J'ai beaucoup travaillé à la maison, mais j'ai eu la chance d'avoir certains contrats qui étaient déjà mis en place, mais qu'on a pu continuer et travailler autrement, faire des répétitions sur Zoom, diriger une répétition à distance. J'ai eu ma première bourse dont je suis hyper reconnaissante, et j'ai eu cette bourse parce que j'ai eu le temps de l'écrire et
J'ai toujours eu les excuses avant que j'ai pas le temps d'écrire des bourses et tout ça. Je suis aussi américaine française, donc pendant le temps que j'étais pas résidente, c'était comme, j'ai pas le droit à ça, mais c'était comme une excuse. Et il faut pas. J'ai suivi plusieurs ateliers avec Amy, la magnifique coach d'écrire une bourse. Donc, je suis le produit de cette femme qui te donne des outils. En tout cas, je sais que aussi c'est un cadeau puis que ça arrive pas tout le temps. C'est peut-être le seul aussi que j'aurai, mais en tout cas. J'ai eu la possibilité de démarrer une création que je voulais faire avec une équipe de rêve que j'ai mis ensemble puis que on m'a permis de faire ça. C'est sûr qu'on répète différemment, mais je me sens déjà chanceuse de pouvoir répéter avec des personnes en personne et d'avancer quelque chose. Et c'est que le début, donc on verra où ça va par la suite. Mais je suis déjà quelqu'un qui travaille et qui apprend aussi visuellement. Donc, on dirait que ça a ouvert une porte, tous ces projets et volets de projets qui étaient virtuels ou à distance ou en écran, de garder, réveiller cette partie de mon cerveau et de même aller dans une direction de ça, comme la vidéo aussi que j'ai fait pour This is not a fringe l'année dernière, qui était vraiment juste un petit folie sur un terrain de soccer, baseball, pour jouer quelque chose. En tout cas, j'aurais jamais fait ça autrement parce que je ne l'aurais pas permis. Donc, on dirait qu'il y a une certaine... Il y a une permission parce qu'en ce moment, tout se reconstruit. Donc, souvent, j'ai des choses et je dis oui et je dis aussi pourquoi pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui a pu changer chez moi et il y avait évidemment des hauts et des bas et des difficultés en dehors de la vie et le travail et la carrière, mais en gros, je peux dire ça va et que c'est beau de regarder ça avec des nouvelles lunettes. Kakim, j'ai une question pour toi, mais je veux tout de suite juste aller plus profondément avec une question pour Stéphanie, parce que quand tu t'as dit que tu t'es donné tu avais la permission, où tu sentais la permission. J'ai juste une question. Est-ce que tu sentais plus de liberté dans la permission? Je pense que oui. Puis je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui est très dur sur soi-même. Je juge beaucoup plus moi que des autres. J'essaie d'avoir une vision de non-judgment. Mais du coup, c'est comme si je me traitais comme je traite les autres. Comme si j'étais un peu plus comme, mais vas-y, tu peux, pourquoi pas une autre, pas pour comparer aux autres, mais telle personne ferait ça aussi. Mais oui, du coup, c'était un peu comme de lâcher tout le cadre de son horaire, de ses planifications, de tu veux faire ci, ça, à tel moment de ta vie, ou je ne sais pas, je donne des exemples, mais du coup, comme tout, c'est bousculé, à secouer, ben, j'ai dit, mais pourquoi pas, puis ça permet d'aller dans certaines approches, projets, etc., que soit tu n'avais pas le temps avant ou c'est pas financé ou payé ou whatever, mais si tu as le temps puis tu aimes ça, le projet, c'est le fun, mais c'est moins payé ou c'est juste une expérience vite fait de même. En tout cas, je me donnais la permission de faire toutes sortes de choses que j'aurais voulu et j'avais pas le temps ou que j'aurais pas pu faire avant. Et bref, je pense que c'est juste une couche, like un filtre sur moi de pourquoi pas, de cette permission d'approcher des choses avec cette loupe-là. Mais je pense, juste si je peux rajouter un petit truc que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que, tu sais, je pense que la pandémie nous a appris beaucoup de choses sur nous aussi, sur notre capacité d'adaptation, la résilience, tout ça. Puis je pense que ça nous a appris beaucoup aussi au niveau de la bienveillance qu'on a par rapport aux autres. Tu sais, des fois, on n'applique pas cette bienveillance-là par rapport à nous-mêmes. Puis je pense que ça a été une bonne période pour apprendre ça. En tout cas, c'est ce que j'entends de ce que tu dis, là, que tu t'es comme accordé aussi beaucoup de bienveillance par rapport à qu'est-ce que tu fais puis qu'est-ce que tu avais le goût d'essayer. Puis ça, je pense que c'est une des belles choses qui peut ressortir de cette année et demie, en tout cas, de tout ce temps de pandémie. Ouais. J'essaie, en tout cas. C'est pas rendu là, mais... Tout d'abord, comme de se permettre d'essayer des choses quand il ne peut pas essayer. Puis après, prendre plus soin de soi. Ça,
C'est bien. Et Kakim, je sais que tu es quelqu'un qui travaille à beaucoup de places, comme on vient d'entendre, et tu as beaucoup de contrats différents, une chose que je trouve tellement intéressante. Et je me posais la question, est-ce que tu as trouvé qu'il fallait vraiment adapter la façon que tu travailles dans la dernière année, peut-être un peu de ton parcours depuis l'année passée? OK, well, merci pour les questions. En fait, c'est un peu étrange qu'on arrive un peu à l'anniversaire de notre dernière discussion. En juin de l'année dernière, je venais juste de perdre mon emploi. J'ai travaillé à temps plein à Dawson. J'étais agent au développement des affaires à temps plein. En plus, j'ai travaillé sur un projet, le projet Habilité, en pratique inclusive pour le Festival Accès Asie. Je faisais ça pendant la fin de semaine, pendant le break de lunch, le soir. Et aussi, j'ai siégé sur plusieurs comités et plusieurs conseils. Donc, tout mon temps était vraiment rempli, tout le temps. Et avec l'arrivée de la pandémie, j'ai perdu mon emploi. Et je dirais que tous les organismes avec lesquels j'ai travaillé, avec lesquels j'ai siégé sur le conseil, ils ont dû ralentir, ils ont dû s'adapter à la pandémie. Et donc, depuis ce temps, beaucoup de mon temps a été consacré à mon travail comme bénévole pour aider, pour faire partie de cette adaptation au changement et surtout au bouleversement à la communauté artistique, mais aussi à la société pendant la pandémie. Et donc, j'ai juste perdu mon temps. Travail à temps plein et j'ai vraiment rempli mon temps avec des autres engagements communautaires au niveau professionnel. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs différents contrats. Mais surtout, je dirais que ce que la pandémie m'a permis de faire, c'était vraiment de prendre une pause et aussi d'apprendre la science des plantes. Donc, avant, j'étudiais, je dirais, la science des peuples, des gens, des collègues, les relations humaines. Mais je dirais que j'ai appris plus pendant cette année avec mes plantes qu'avec les gens. Parce que tout ce qu'on peut appliquer aux relations, au manque de communication entre humaines, on peut apprendre à partir des plantes. Donc, j'étais une personne qui, avant la pandémie, je n'avais aucune plante. Et maintenant, j'ai 37 plantes intérieures et j'ai une centaine de semences. Que j'ai planté, que je vais planter dans mon balcon. Mais ça m'a aidé énormément, pas seulement avec les défis de la pandémie, mais aussi d'apprendre des gens. Les gens sont comme des plantes. Par exemple, il y a des gens qui, comme des plantes, qui vont pousser dans le soleil. Il y a des autres qui peuvent faire l'ombre. Aussi, une autre chose, c'est que comme un être humain, on parle toujours comme le stress est mauvais pour la santé. Mais le stress est très important pour les plantes. Les plantes, ils ont besoin de stress. Quand on voit, par exemple, une semence en train de se pousser, ils nous conseillent de faire, de passer le vent, comment ça s'appelle, a fan. You're supposed to blow a fan. Pourquoi la plante, ça devient forte contre le vent. Et je pense que c'est à peu près la même chose avec les gens. Donc, c'est ça. Et étrangement, ça m'a aidé beaucoup avec mes relations personnelles et professionnelles. Et je dirais que je n'avais même pas vraiment besoin de voir les gens parce que j'avais mes plantes. Je n'étais jamais seul. Wow! En tant que quelqu'un avec un jardin, j'identifie beaucoup et je comprends, je sympathise. J'aime beaucoup cette analogie et c'est vrai, j'ai des nouveaux petits plantes qui sont des tomates, puis tout le monde nous dit il faut les you have to touch them, il faut les bousculer un peu et peut-être du stress et on en a besoin des fois. C'est cool. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit, Kakim. Ouais. Go ahead. Je trouve que c'est une superbe analogie, vraiment. Je trouve ça magnifique. Je suis touchée et je suis, il faut que je dise, je pense que
you know, j'aperçois que beaucoup de monde, je suis emotional, il y a beaucoup de monde, je sens vulnérable ces temps-ci et je sens que notre communauté est vulnérable et que c'est beau de prendre le temps de se rejoindre et de se parler de ces sujets et d'essayer de voir les perspectives des autres. Fait que je suis très touchée à quelqu'un. Je pense... Une question pour moi que j'aimerais poser, c'est que hors de les arts, on est tous artistes ici, mais hors de les arts, c'est quoi qui est important? Parce que c'est notre travail, mais c'est quoi la vie? C'est quoi qui est important pour nous dans la vie? Et je pose la question parce que je sais que en parlant avec quelques-uns de mes amis, ils ont trouvé que cette année, ils ont trouvé que leurs réponses ont changé un peu. Et peut-être avec la pause ou pas, pour des raisons. Je sais que pour moi, j'ai eu un chirurgie cette année. On peut voir, j'ai mon petit scar ici encore. Mais c'est presque parti. Ouais, on la voit pas beaucoup. Non, c'est presque parti, c'est vrai. j'ai manqué un mois de travail. Et je suis quelqu'un comme Kakim, que je travaillais très, très fort en tout temps. Et vraiment arrêter, c'était difficile. Mais honnêtement, après quelques semaines, je l'ai embrassé et j'ai aperçu la vie un peu plus. Alors, je pose la question pour vous, c'est quoi qui est important dans la vie en ce moment? Je peux me lancer direct là parce que c'est super clair. Moi, il faut rire. Il faut vraiment rire et j'ai compris très récemment à quel point c'est important pour moi. J'étais dans un atelier et on étudiait le AI et tout ce qui est comme intelligence artificielle. Puis il y a super longtemps, quand on développait des choses sur écran, des formes qui devaient évoluer ensemble pour avoir un but. En tout cas, c'est un peu flayé. Mais j'ai pris ça que dans notre atelier, le mouvement, on essaie d'évoluer dans quelque chose de super ridicule. Mais ça m'a fait une comparaison, c'est une longue histoire pour faire mon point, à quel point pour moi l'humour et de rire, c'est un mode de survie. Et certaines personnes pensent que c'est une devise de se protéger, peut-être en quelque sorte, mais pour moi, c'est vraiment de pouvoir regarder la vie par l'ironie que ce que c'est, par... Le dose, la compréhension du ridicule, des fois, de pouvoir regarder des choses qui peuvent être banales et juste en rire, je pense que c'est comme ça que j'arrive à survivre parce que, Émilie, tu parlais des chirurgies, il y a deux grandes affaires de santé qui sont arrivées dans ma famille qui étaient tellement chanceux de ne pas avoir eu de quoi de majeur dans nos vies de cellules, mais je me rends compte avec ces deux personnes qui ont dû vraiment travailler fort pour leur guérison et qui en travaillent encore, qu'ils traversent ça avec un humour et un regard réel envers ce qui se passe, de un peu lâcher prise, parce que c'est ça aussi quand tu peux rien faire d'une situation qui t'arrive. On dit vaut mieux en rire si on peut, et peut-être ça prend du temps et c'est peut-être pas drôle tout de suite, mais de voir l'humilité et l'humour avec lequel quelqu'un peut traverser quelque chose de très difficile, moi, ça m'inspire énormément et je me rends compte que ça, même sans ces spécificités de contexte, que ça fait partie de moi aussi. Et des personnes qui sont proches autour de moi savent ça et sont aussi des personnes que je trouve très drôles, etc. Mais bref, je pense que c'est comme ça que la série de photos que j'ai fait dans mon jardin est sortie, c'est parce que je me faisais rire avec une idée de passer une entrevue de sortie comme personne de ressources humaines pour ma dernière tomate de la saison l'année dernière. Puis c'est comme ça que c'est parti. Puis bref, j'avais pas de but à faire ça, mais en tant que quelqu'un qui performe sur scène, on parle de manquer Boca et j'ai peu vu Boca, mais je sais un peu qui c'est. Et on a des outlets en tant que performeur que ça nous a été enlevé pour une année. Et j'espère que c'est fini et qu'on commence à reprendre
dont on a besoin. Mais quand on n'a pas cet outlet, comment on gère ça? Pour moi, c'est à travers l'humour d'exprimer quelque chose que je trouve drôle, mais aussi de recevoir l'humour et le regard de voir la vie comme ça. Pour moi, je pense que c'est très important en ce moment et en général. Mm-hmm. On sache. Comme mais, light bulb moment. Mais sais-tu quelque chose, parce que, tu sais, Amy, tu parlais de quelque chose qui, tu sais, qu'on a appris aussi à travers cette année-là. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose que, au niveau de cet humour-là que tu pouvais avoir par rapport à toi-même ou par rapport à la situation, aux situations que tu vivais, c'était pas quelque chose qui était dans ta vie avant puis qui est arrivé dans cette dernière année qui a été tellement différente des autres? Pour moi? Oui. Pardon, parce que tu dis, Amy. Ouais. Non, ça va. Je peux dire tout simplement, ma mère a dû avoir une chirurgie à cœur ouvert et mon beau-père a eu un AVC. Et lui, il continue sans sortir. Ma mère est dans l'année de ce qui suit. Et c'est-à-dire que la relation que j'ai avec ma mère et comment j'ai toujours fait rire toute ma vie, mais parce qu'elle aussi est une performeuse, puis ben, on n'aime pas. Notre relation n'allait pas changer parce qu'elle vivait quelque chose de traumatique, puis moi aussi, en fait, pour elle. Mais du coup, je comprenais aussi qu'à un moment donné, il y avait des choses qui sont absurdes de cette situation, mais aussi que l'humour en fait partie de la guérison, d'où Patch Adams et toutes les personnes qui vont aller à la rencontre des personnes qui sont en situation grave de rétablissement, mettons, ou même, c'est, il y a une photo que j'ai vue dernièrement des marionnettistes dans le rubble, je sais pas comment dire ça en français, mais vraiment dans un endroit qui avait été bombardé, en fait, mais parce qu'il y a des enfants qui restent, puis on peut voir le beau et de la vie, on peut essayer d'être optimiste et on peut aussi. Il y a toutes sortes d'humour aussi. C'est pour ça que je trouve que c'est difficile de parler d'une chose spécifique parce que l'humour pour un enfant, puis l'humour que moi, je vais retrouver sur Saturday Night Live, qui est assez dark et politique et tout ça, bien, il y a toutes sortes de façons d'en rire. Puis, en tout cas, en tant qu'Américaine, il y avait des stress aussi cette année, politiquement parlant, et c'est pas toujours drôle, mais ouais. Bref, de juste trouver ces angles-là. Mais je ne veux pas monopoliser la conversation, mais vaut mieux en rire. Mais je pense qu'on parle de la santé mentale. Hein? Et, ouais. Et c'est une conversation hyper importante que j'entends de plus en plus aussi cette année. Et j'ai lu des études je crois que c'était le CQT qui ont fait une étude en partenariat avec quelques autres mondes, je m'excuse que j'oublie exactement, mai 2020. Anyway, et qui disait que 3 sur 5 artistes qui ont répondu à leur gros sondage disaient qui avaient vraiment la misère avec leur santé mentale. OK, c'était mai 2020, mais je pose la question pour moi et au monde que je travaille avec, est-ce que ça continue et est-ce qu'on est plus flexible avec nous-mêmes en ce temps? Where do we turn to? How are you feeling about this? Ouais, ben, Kakim. OK, moi, je dirais, en juste parlant de la santé mentale, oui, elle a été très difficile pour beaucoup de monde, pour plusieurs raisons, pour les raisons de la santé, pour aussi le souci qu'on a pour nos familles. Ma fille, elle a eu le COVID l'avril dernier, donc je peux constater que c'est une grande angoisse, surtout bon, pour moi comme parent, vis-à-vis de cette maladie. Mais je dirais que beaucoup de monde parle de la santé mentale, mais aussi si on regarde la période qu'on a eue, comme tous les défis, tous les temps difficiles nous offrent des grandes opportunités. Et nous, comme des artistes, nous sommes très chanceux parce que d'abord,
nous avons la licence de réaliser nos rêves et de faire des choses qui sont complètement folles, que beaucoup de monde n'ose même pas faire. Deuxièmement, nous avons déjà, j'espère, pour la plupart de nous, nous avons déjà cultivé une riche vie intérieure pour pouvoir exprimer vers l'extérieur. Donc, je pense que cette période, au moins pour moi, c'était très important dans le sens que ça m'a donné le temps pour vraiment créer, grandir, même d'investir dans la croissance de ma vie intérieure, même la croissance de ma vie comme artiste. Une autre chose, est-ce que, juste parlant de la conciliation vie-travail, même avec les relations, je dirais que j'ai appris aussi de chercher plutôt l'authenticité et la profondeur chez les gens. Et moi-même, je sais que la vie est très courte et je n'ai pas envie vraiment de perdre mon temps, de perdre le temps des autres en investissant dans les relations qui sont peu profondes. Donc, ça veut dire que si on cherche la profondeur dans l'eau peu profonde, on ne le trouvera pas. Donc, c'est vraiment une grande opportunité de chercher cette profondeur chez les gens, mais aussi dans le travail, dans les actions qu'ils ont fait. Donc, je pense que ça, c'est le grand cadeau. Avec le vaccin aussi, ça, c'est un autre bon cadeau. Merci, Kaki. Catherine, tu voulais? En fait, je prenais des petites notes là, pour... Parce que tu parlais de ce qui avait été important, puis là, on a bifurqué, ça l'a mené vers la santé mentale. Puis en fait, je trouve ça intéressant parce que je trouve que les artistes sont pas un bloc monolithique. C'est pas parce que t'es artiste que t'es d'une certaine façon. Il y a des artistes qui sont extravertis, il y a des artistes qui sont introvertis. Moi, pour ma part, je suis une personne introvertie. J'aime beaucoup parler au monde, mais moi, je me recharge, mon énergie se recharge quand je passe des moments seuls. C'est comme ça que je me recharge. Moi, c'est comme un peu comme ça que je fais la distinction entre introverti et extroverti. Mais je pense que peu importe notre type, c'est vrai qu'on est quand même des gens qui sont capables du moins d'exprimer leurs émotions à travers des formes, que ce soit des formes artistiques ou juste d'en parler. Fait que je pense qu'à la base, au niveau de la santé mentale, on sait qu'on pouvait s'appuyer sur les gens autour de nous, cette communauté-là d'artistes qui pouvaient comprendre ce qu'on vivait et aussi être en mesure de recevoir sans juger. Ça, je pense que c'est très important parce que... Puis, tu sais, je pense qu'on parle de plus en plus, puis on en a beaucoup parlé de la santé mentale pendant la pandémie. Fait que je pense que le sujet n'est plus tabou. En tout cas, du moins, j'ose espérer. Là, peut-être que je me leurre, puis quand c'est encore ben dur d'en parler. Mais dans mon esprit, tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qu'on a pu justement discuter avec nos amis par rapport à la santé mentale, le sujet est ouvert. Fait que je pense que maintenant, on a cette possibilité-là d'évacuer. Puis là, les arts reviennent. T'sais, tantôt, Stéphanie, tu parlais d'avoir un outlet pour sortir notre créativité. C'est ça, là, je pense que les choses sont en train de se replacer. Mais je pense qu'on peut, il y a toujours moyen de s'exprimer. Il faut juste trouver la bonne façon par rapport à qui on est, puis qu'est-ce qu'on, nous, on a besoin comme avec le type de personnalité qu'on a, là. Absolument, puis les contextes aussi sont hyper importants, je trouve. Puis d'abord, c'est oui, heureusement, maintenant, on demande entre nous comment ça va. Et la même question se pose à toi, Yannick. Tu t'as adressé au moins un peu personnellement comment ça va un peu plus tard. Mais si tu peux répondre plus, ben voilà, c'est la discussion. Mais c'est pour moi, c'est vraiment comme, c'est le côté humain
pas le côté humain, c'est l'humain qui compte en premier. Donc là, on, si on travaille avec des personnes et tout, le plus important, c'est de savoir que tout le monde est confortable et tout le monde est à l'aise et tout le monde respecte tout le monde. Et après, on peut partir de là, mais aussi, ça, c'est ce qui se passe sur place, mais il peut y avoir des choses dans nos vies personnelles qui nous bousculent et qu'on n'est pas apte à faire notre travail ou à faire ce qu'on a à faire. Et c'était tabou, comme tu disais, Kathleen, on n'en parlait pas. Puis maintenant, je pense qu'on ne peut pas l'éviter parce que ça affecte notre santé physique aussi. Si notre santé physique est en péril ou ne va pas bien, bien, on met les autres en vulnérabilité aussi. Puis on comprend maintenant le look de ça, en gros. Moi, je dois quand même avouer, tu sais, par rapport à ce que tu demandais plus tôt, Amy, tu sais, ce qui est important, j'ai eu un enfant en 2019. C'est sûr que moi, la pandémie, au niveau familial, ça a été une belle bulle familiale. Puis, tu sais, je nous considère, mon chum et moi, très chanceux parce que notre enfant était encore assez jeune pour pas trop comprendre, tu sais, vraiment go with the flow, pas avoir à lui expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde. Pour nous, c'était juste de passer du temps avec notre enfant, du temps qu'on a eu. Fait que c'est pour ça que je trouve que, en tout cas, moi, pour moi, c'est sûr que c'est un peu difficile de séparer la pandémie de cette nouvelle réalité de vie-là. Parce que pour moi, la pandémie a un peu amélioré notre bulle familiale. C'est étrange à dire. Mais je pense que finalement, dans tout ça, ce que je me rends compte, c'est vraiment les gens qui nous sont proches. T'sais, comme tu disais, Stéphanie, ou tu sais ce que tu disais, Kakim, au niveau des... C'est ça, les gens avec qui on entretient des relations qu'on veut profondes, ça vaut la peine de passer du temps, de vraiment... Je veux pas dire investir, parce que c'est pas un investissement, je veux dire, mais c'est... Ça vaut la peine de connecter sur le plan humain parce que ça peut nous être enlevé très rapidement, que ce soit par une pandémie, des maladies autres, la distance. Ça peut être très fragile. Puis je pense que c'est là qu'on voit aussi les relations profondes qu'on peut avoir établies avant. C'est celles qui vont rester en bout de ligne. Comme des racines, n'est-ce pas, Kakim? Oui, comme des racines, si les plantes peuvent tout expliquer. Mais je dirais c'est aussi au niveau de la santé mentale que dans la vie pré-covidienne, je pense que la plupart du monde, c'était très important les apparences et de faire semblant qu'on est invisible. C'est quand même invincible. Je ne sais pas comment le prononcer en français, mais c'est ça. Mais c'est ça, exactement. Mais ce qui est intéressant avec le COVID, et ça c'est le grand cadeau, c'est qu'avec le Zoom, à travers Zoom, tout le monde a l'air complètement ridicule, bouffon. Quand j'étais dans les rencontres avec mon ex-boss, Dawson, ou même avec les rencontres avec tous les organismes avec lesquels je participe, tout le monde, c'est un peu bizarre, mal éclairé, mal habillé, les cheveux un peu étranges. Donc, ça casse un peu cette idée de ce qu'on a de l'hiérarchie. C'est la tête d'un organisme doit toujours être bien habillé, toujours dans son coin, dans son bureau, mais chez elle, chez lui, c'est bordélique. Bordélique, tu dis, mais... Qui est ce gars? Qui est cette femme? Mais c'est ça, mais c'est important parce que cette vulnérabilité, ça nous rend humaines. Une autre chose, c'est que oui, on peut plaindre des grands problèmes le système de santé, on peut plaindre de la santé mentale et même le manque de sous dans nos poches.
Mais si on regarde la grande compassion d'énormément de monde, des gens qui ont sacrifié, aider les gens qui étaient malades, les politiciens, les infirmières, les personnes qui travaillent, qui luttent dans la santé, c'est très inspirant. Donc, c'est une opportunité de nous de sortir de notre propre boule et vraiment voir la grande compassion de la plupart du monde. Or, les gens qui font attention aux étrangers, aux personnes qui ne connaissent même pas. Donc, c'est ça. Avant de faire un acte, on pense, est-ce que ça va affecter quelqu'un d'autre? Est-ce que ça va nuire leur santé? Ça, c'est très bon. Et en plus, j'espère qu'avec toutes les actes préventifs qu'on prend pour l'hygiène, que les gens vont devenir plus propres aussi. Donc, il y a des choses qui... J'espère que nous allons sortir dans un monde différent, pas pareil comme avant. Mm-hmm. Parce qu'avant, c'était vers un mur en briques. Moi, j'ai quand même hâte de pouvoir reprendre des gens dans mes bras. Je dois avouer. C'est vrai. Moi, je suis chat. J'essaie de prendre mon chat dans mes bras, mais il me griffe. Pré-COVID, pendant COVID. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai reçu une question par texto d'une amie qui est un peu gênée, trop gênée de le mettre en commentaire. Alors, je vais le poser maintenant. Et je pense que ça vient un peu du fait, souvent au travail, j'ai de la conversation au monde au French, de comme, il faut dessiner des lignes, des fois. Il faut dessiner des lignes dans la vie, des lignes au travail. Par exemple, j'aimerais être fini à 15 heures ce soir. Des choses comme ça. Et on a tous des stratégies, vraiment, pour avoir la bonne conciliation entre travail et vie. Et peut-être, je pose la question à vous, est-ce que vous avez des stratégies pratiques dans la vie que tu utilises pour essayer d'améliorer la conciliation entre les deux? Peut-être améliorer, ce n'est pas le bon mot, mais anyway, on verra. Mais moi, c'est je dirais que c'est très particulier parce que, tu sais, mettons, là, je suis dans mon environnement de travail qui n'est pas un travail artistique. Là, c'est l'autre partie de mon cerveau qui travaille avec les chiffres. Mais ça, on dirait que c'est très... je suis capable d'être très rigoureuse là, au niveau de mon travail. Mais quand c'est fini, c'est fini. Mon cerveau a pu à y penser. Pour un travail artistique, quand je monte un show, ça, je peux mettre des heures à n'en plus finir. Par contre, là, ce que j'ai pas eu l'occasion de tester, c'est que avec un enfant, il y a des nouvelles... il y a des nouvelles heures à respecter parce que... il faut faire manger quelqu'un, il faut habiller quelqu'un, il faut changer la couche de quelqu'un. Donc, ça, en fait, je suis bien curieuse de voir là, quand je me lancerai à la création d'un nouveau spectacle, donc l'année prochaine, ben, pour le Fringe 2022. J'ai bien hâte de voir comment je vais devoir être plus précise dans mes heures, mettons, de travailler de telle heure à telle heure, puis je peux pas déborder parce que là, il faut que je parte puis que j'aille à la garderie. Tu sais, je pense que ça va être ça, comment tu nommais ça, Amy, là, les limites pratiques, là, des trucs pratiques, là. Pour moi, je pense que ça va être ça. À telle heure, je ne peux plus parce que là, quelqu'un d'autre dépend de moi. Parce que si c'est juste de moi... Moi, j'ai aucune difficulté à continuer jusqu'à ce que mes yeux ne se tiennent plus ouverts puis que je tombe un peu parce que je suis trop fatiguée ou c'est ça.
Ben moi, en étant là exactement où tu parles, étant juste toute seule et à ne plus finir avec les idées et les trucs à faire, je veux dire que j'ai dû quand même trouver des limites aussi, parce que ça sert à rien de travailler sur un truc quand t'es complètement brûlé. Ta productivité est nulle et ton résultat est pas bon, en fait. Donc, j'ai essayé de voir, de ne pas me sentir coupable quand un ami était comme, il fait beau, est-ce qu'on peut aller au parc, prendre une marche ou quelque chose comme ça. Et souvent, ma première réaction, c'est, j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai pas fini telle affaire, comme si je devais mériter, la récompense en travaillant fort. Mais en même temps, je me rends compte, en retournant à quelque chose que j'avais pas fini, que la fraîcheur, l'air, le bain, whatever, ça m'a nourri pour revenir mieux et plus efficace à l'affaire qui m'attendait. Peut-être même, parce que beaucoup d'amis sont artistes, peut-être même ça nourrissait ta réflexion, parce que tout vit dans un organisme tout seul, puis tu fais des liens et tu crées des liens. Et c'est pas pour dire que mes amis m'aident à faire mes affaires, au contraire, mais c'est juste que ça se passe sur place ou pas. C'est des fois, tu peux aussi mieux arriver et délivrer ce dont il te faut en trouvant tes limites et en te forçant même à prendre soin de soi. Tu es plus disposé à mieux travailler après. Je dis en haute voix pour que je me garde accountable pour les mots que je suis en train de dire. Comme ça, c'est enregistré, puis je vais aller voir ce que je me suis dit dans le futur. Et maintenant, on rit, donc ça va. Ouais, exactement, tu vas bien. Que Kim, pour toi? Je dirais que, mais pour moi, avant le COVID, moi, j'avais un travail plus, d'un côté plus traditionnel, et j'avais aussi un travail comme consultant. Donc, je faisais les deux en même temps, les trois. Et je dirais que j'ai une préférence pour les traditionnels de 9 à 5 parce qu'à 5 heures, quand on part, on ferme la porte et voilà, on peut, pouf, le cerveau, il ne se veut pas partir dans un délire, il pensait aux autres choses. Mais ceci dit, que ce qui est intéressant avec le COVID, est-ce que les gens qui travaillent de 9 à 5 dans le monde traditionnel, dans le bureau, dans les cubicules et tout ça, ils sont devenus, ils ont dû adapter et devenir comme des consultants, même en travaillant de 9 à 5. Et tous mes collègues qui travaillent de 9 à 5 sont épuisés maintenant parce qu'eux, ils travaillent de chez eux. Les enfants sont souvent là, ils sont plus stressés. Ils travaillent plus parce qu'il y a plus de problèmes communicatifs. Dans un bureau traditionnel, besoin d'un document, on frappe sur la porte. On... OK, voilà. Mais maintenant, c'est à travers le courriel et tout ça, il y a beaucoup de miscommunication qui devient problématique. Donc, je dirais que le monde traditionnel travaille comme des consultants, comme le pigiste. Et c'est très, la plupart du monde, à mon avis, sont vraiment épuisés. Mais ceci dit, je dirais que pour moi, à partir de COVID jusqu'à maintenant, j'étais plutôt consultant. Et ce qui m'aidait énormément, c'était les plantes. Quand j'arrivais à avoir, par exemple, des grandes difficultés dans le travail, au niveau des gestions, des choses que j'ai dû résoudre, en lieu de juste tout de suite partir en mode solution, j'ai pris une pause. J'ai pris l'habitude de prendre des pauses, d'aller arroser mes plantes. Et mon Dieu, ça fait du bien. Parce que quand on prend une pause de quelques minutes, on fait quelque chose de complètement différent. Ça te donne la clarté. Donc c'est ça, pour moi, je dirais que quand je retournerai dans le monde traditionnel, je vais apporter mes plantes. C'est sûr. Je m'en fous si mes patrons me disent, ben, on ne peut pas apporter les plantes. Je vais les apporter. Et quand ça devient vraiment fou, je vais dans mon petit coin, je vais parler avec mes plantes, mais c'est ça. Merci. Et peut-être, faut pas amener les 37 plantes par contre, Kakim. Pas les 37, c'est vrai. Peut-être pour terminer, on est déjà presque à la fin, ça a passé assez vite.
J'ai l'impression qu'on sent un peu d'espoir quand même. Et peut-être je voulais juste poser pour vous, c'est quoi qui vous donne de l'espoir en ce moment? Oui, Kakim. J'ai entendu que les Canadiens vont bien. Mais, yes. Mais je suis nul avec l'hockey. Je m'en fous de l'hockey. Mais moi, je regarde toujours les finals. Donc, oui. Ça me donne de l'espoir. Le reste, je m'en fous. Le COVID canadien. Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est peut-être prévisible, mais le vaccin, le déconfinement, l'été, il fait beau. On est, je sais pas, il y a quelque chose de tellement magique à Montréal l'été qui se passe. Puis j'adore l'hiver. Là. J'aime vraiment beaucoup l'hiver. Mais il y a quelque chose de très... on dirait vraiment qu'il y a une effervescence qui se passe l'été à Montréal. Puis ça, je trouve que ça l'amène avec cette énergie-là, une vague d'espoir. Moi, que le Fringe ait lieu cette année, je trouve ça extraordinaire. Ça me donne de l'espoir. Ça fait du bien. Puis... ouais, moi je pense que ça regarde bien pour la suite. Moi je dirais que l'entraide m'inspire beaucoup parce que c'est pas facile ce qui se passe. C'est vrai, ça commence à brasser où je suis. C'est plus qu'une année difficile. Il y avait énormément de pertes et ce serait insensible si on l'avouait pas. Et tout le monde a été affecté différemment, ce qui, qui est non négligeable, mais que on s'entraide et qu'on communique et qu'on trouve des solutions ensemble et que oui, le vaccin aussi, ça donne un soulagement dans le sens qu'on va dans une bonne direction puis qu'on a appris quelque chose, on espère de tout ça, qu'on peut y aller ensemble et trouver du mieux. Dans l'union fait la force. Oh. Merci. Merci à vous tous. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié la conversation aujourd'hui et je sens que ça va continuer hors ici. Et une place où ça peut continuer, juste pour dire, je fais un petit plug, mais on a un autre événement qui s'appelle Parenting in Practice. C'est organisé en partenariat avec le Québec Drama Federation. C'est le 14 juin entre 16h et 17h30. Et c'est privé. Fait que c'est en anglais, mais les francophones sont toujours de la bienvenue. Et c'est un appel Zoom privé avec Marissa Blair, qui est une artiste fringe, pour avoir une conversation ensemble entre parents du sujet de faire l'art et être un parent en même temps. Alors, je vous invite à aller sur le site Quebec Drama Federation pour toute l'information. Demain, on finit la série Transformation. Wow! Avec un grand, grand gang de monde. On va parler en français et en anglais, like total bilinguisme, mais like franglais, ça va être vraiment mélangé. Très Montréal fringe aussi, juste pour dire. Anyway, on va parler du futur de la diffusion des arts avec Patrick Lloyd Brennan de Elan, avec Sarah Grenier-Laforce du Fringe, avec Vincent Repentini de l'OFTEA, avec Mike Payette de partout. On a une grande gang, j'ai vraiment hâte. Ah, aussi Lucy du Fringe de Toronto. Ça va être le fun. Fait que je vous invite tous à venir écouter demain et on se voit jeudi en personne au Fringe. Merci Kathleen, Stéphanie, Kakim. À la prochaine. Merci à toi, Amy.